Bemba Gombo alobi Chilombo azobiye. Chilombo azobiye abimisie mwana mukie a humilié ye. Bolanda kaka na Congo États-Unis TV awa. Na YouTube s'il vous plaît, bata Facebook te mais yo sokoza na Facebook kota na YouTube Congo États-Unis TV. Oyoka ba audio ya batu ba membre ya MLC. Aza ingra kabila kutu mtabi maka na 15%. Kabila kutu mutapesa kiye. Aza ingra. Abanda bagamba trahison depuis na Genève. Aza ingra. Bemba muta tamboli. Bemba muta fingi katumbi pona ye. Aza ingra. Oh. A humilié président. Oh. Voilà batu ya MLC. Ya champion Bemba Gombo. On va en parler ici. Bande gonangai. Tokolo bela. L'opposition. Baza koloba nini pe baza ko prepare nini face à KO izana kati ya mboka ndenge yango eza ko kende bande kolanga peuple congolais. Alors non lobby nazwa ki tant ya kokota mwa makambu ya société te. Vous savez que dans la société congolaise tozali pe ko traverser ba moment moko trop compliqué et difficile. Tozomona kaka tozolobela élection qui a été votée, qui n'a pas été votée. Mais en réalité, ce qui continue à milier à la société, la République démocratique du Congo a de très sérieux problèmes. Oyeza kosenga changement total, ou même je peux dire radical, afin de essayer de booster Mbokawana et s'en sortir na situation tozanango. Tozali na 21e siècle, s'il vous plaît. Ya mboka, 21e siècle. Mais na kati ya 21e siècle, oyo, koka mwane, na Congo, batu bazana nou ko utilize bantene ya ba population, bazali na moyen de communication te na ba certain endroit, ba komi ko utilize ba moyen comme il peut, afin d'essayer de joindre leur famille, oyo bazali na libanda ya RDC, même na ba capitale Kinshasa. Donc batu bakomi kotambola na banzete pour na kosala communication na kati ya Congo. Regardez la vidéo ici, je vais vous montrer. Vous allez être étonné, mais ezali réalité oyo nini eza koleka na kati ya mboka na biso. Je vais vous montrer la vidéo en question pour que binope botala événement wana. Voilà. Suivez l'événement. Shabani ule shawazi, Shabani ule bananiambia bibi yangu iko maladi, wende kwanza ukayue habari. Bazango solo na communication, wana bantene. Bantene ya telephone, na Congo. Bonsoir mona. Ya zolo bawa. Oye, comme le cola singa antenne, il y a Zoloba. Est-ce que bonsoir mona? Bonsoir mona, ma camona, bonsoir mona. Paul, bonsoir mona. A Zoloba, awa moto, bonsoir. Je ne sais pas qu'on a pas Zoloba. Il y a sa clavier kanga yema. Ma politicien a annoncé sa connue, tu m'as dit que tu m'as dit que tu m'as dit. Allô? Attends, décroche. Au 21e siècle, la RDC. Michel, pas junior, Alende. Allô? Divine, moi, de pas junior, mambola, pas junior, Ndelende. Allô? Mawato. Apa junior alende, apa junior alende. Baba liro. Apa junior, apa junior alende na omende. Apa junior alende na. Oh, en Équateur. Allô. Est-ce que vous avez mon amour, mon amour? Paya Jean-Pierre Bemba. Apa junior, au même amour onde. Baba liro dia leo bori. Allô? Baba, l'érudit à Léo, Baba, l'érudit à Léo Kupori. Monsieur Souye Wanakuna. Niko nasikia tumbo kama iko na kuluma inafaa uende kwa umuite irondele ya kuandikie madawa pour que bakutunze umuite irondele
Oh, mwambito andike madawa purke bakutunze njoju ya nini misa intakuya batatosha makuta batakupatia umuite irondele. Pasi bro. Ekei. Ah bandeko. Boye. Ekei frère. Est-ce que besoin mona makamona zo mona? Ah ouais ça, bazo benga, appel bazo benga. Ah Congo. Franchement, franchement mes frères, franchement. Ah. Mbokoyo. Et dans ce coin du pays, vous avez des députés nationaux, vous avez aussi des députés provinciaux. Bazalarana coin wana. Vous avez le gouverneur, vous avez les ministres, vous avez le parlement, l'assemblée provinciale. Vous avez un chef de l'État. Ah, Congo! On n'aime pas le pays, hein? On n'aime pas le peuple. Voilà le pourquoi je dis toujours na biso tozana libanda awa bande konangai aimons notre pays. Ne faisons pas la politique pour Ola Kisabatu. Oko ma vedette, oko ma star, oko ndeko yiba. Non. Zala quand même na vision, zala quand même na idée, ma programme, quand tu veux t'engager na chemin politique. On ne vient jamais en politique pour devenir star et puis s'enrichir. Non. Soko moni mutoye na politique. Et l'obi a commis riche, c'est Gazala qui mafieux depuis Kala. Soko moni moutaye na politique, aza komi komi sa star, c'est que Azala ki moutou abande ko lula, ba musicien, ba bitou sa ana. Un politicien ami komi sa ka star te, ami komi sa ka vedette te. Un politicien a koma ka riche te, tan Gazali ko travaille. C'est un travail. Faire la politique, c'est un travail. Mais ce travail-là, tu le fais maintenant devant tes compatriotes. Donc, le lot comme il est là, quand tu es chef de l'État, on a le pasteur qui encadre le troupeau, le brebis. Mais, au ya Congo Kuna, le pasteur est à Kinshasa. Ba brebis na yekuna, ba ngwana, ba zako laksa, ba ngwana, ba simi, ba nzete, ba zako téléphoner. Le pasteur ne connaît pas où se trouve ce brebis. Baza wapi baza na kwen lini. La réalité de la RDC, yango na bomoni. Et d'autres endroits, c'est encore le pur. Par rapport à Bomoni, dans d'autres coins du pays, c'est encore le pur. Jusqu'à quand tu vas continuer na Ali Royo? Jusqu'à quand, peuple congolais, nous allons continuer na Ali Royo? Toza komona eza koleka na kati ya RDC oyo population azali martyrisé oyo population azali neti mbutu moko boye bazako mona elo kola mutu pamba nzokande on vient en politique pour servir ce peuple wana lokwa liboso alors elo kwa mibale mande konangai. Nalingi to solo la awa. Je crois que nous en avons bien. Et là, quand mi balé, nalingi to solo la nabino awa. Et zali, n'est-ce pas, ba signale nga yi ke Gentil Ngobila. Et si abimaki Congo. Mais avant d'aller kan a point, ya Gentil Ngobila. Oyo, abimi na e RDC déjà. Nalingi na la ksabino volonté oyo.
ba dirigeant ya Congo baza na ngote po na ko aider population ya RDC na ngina la xabino yango et vous allez voir vous-même na o ba bengaka indice et puis na PIB ya peuple ya Congo beaucoup remarqué que ba dirigeant RDC baza réellement et les gens qui sont là que pour leur pour présenter. Nagola Sabino et Lokomoko. Regardez ce document malgré que côté monsieur est Katana. Dans ce document là que vous voyez ba tracé et Lokonini PIB ya pays na pays et ba tiepe République démocratique du Congo. Bah tiens, par exemple, Belgique, PIB à Belgique, ils allient 594,1 milliards. On a PIB à Belgique. PIB par habitant chaque année, un citoyen belge à Zouaka, 51,247 euros. Donc, on les allient considérer le cola mongo chaque citoyen belge. Akoki ko bénéficier nango s'il travaille bien sûr na kati ya système na bango ya mboka. Et puis salaire ya député na Belgique ezali 10 000 euros et salaire ya ministre na Belgique ezali 15 000 euros. Salaire ya un enseignant na Belgique ezali 2 776 euros. Tension salariale député enseignant c'est 3,60 comme ça. La France par exemple, la France bande konanga bozomo na ba pays on était na gauche PIB na bango ezali 2 958 milliards et PIB na bango par habitant c'est 43 659 euros. Salaire à député en France, c'est 5 929 euros. Et salaire à ministre en France, c'est 10 647 euros. Salaire à enseignant en France, c'est 1 930 euros. Alors, si on avance un peu, Maroc, salaire. PIB na bango ezali 142,9 milliards. PIB par habitant, c'est 3795 euros. Et salaire à député na Maroc, c'est 3300 euros. Salaire à ministre na Maroc, c'est 3052 euros. Salaire à enseignant na Maroc, c'est 625 euros. Côte d'Ivoire, PIB na bango ezali 70,04 milliards. PIB par habitant c'est 2549 euros. Salaire à député c'est 7606 euros. Salaire à ministre na Côte d'Ivoire c'est 10647 euros comme en France. Et puis salaire enseignant c'est 402 euros. RDC, la République démocratique du Congo maintenant. Salaire PIB na biso ezali 55,35 milliards. PIB par habitant, Mbongo Congolais, qui collia chaque année, ezali 577 euros au Congolais, qui collia chaque année, 577 euros par année. Je dis bien, ce n'est pas par mois, ce n'est pas par semaine, mais par année, PIB à Congolais, ezali 577 euros. Salaire à député na Congo, ezali 19 777 euros. On convertit en dollars ce qu'il faut à peu près le 21 000 dollars. Salaire à ministre na Congo, ezali na 37 671 euros. Vous le convertissez en dollars, ce qu'il vous faut à peu près 40 000 dollars. Salaire à enseignant na RDC, 161 euros. On convertit en dollars, c'est dans les 180 dollars ou 190 dollars. Voilà la réalité. Ya mité mamabe oza na katamboko wana o tozolo bakeno soki vraiment bato ba ya pona politique pour aider la population mais si basala équilibre par rapport à biloka boy. Regardez les pays qui sont
développés. Regardez leur salaire. Regardez le Congo en bas. Yasuka. Salaire yaba député, salaire enseignant, salaire yaba citoyen à Congo. Mawatro bande konangai, mawatro. Alors, je tenais à vous montrer cela, c'était très important. Pour n'aboye ba, banan yo bobengara, politicien. Po ezo ka moussanga hier, moko. Na ozo ngelango. Mais ozo le kelanga na moni ba poli, ba. Tu sais, dit, si vous regardez les manifestations qui se font aujourd'hui dans le pays, ba Congolais ba zo bundela ba individu. Oui, il y a des fois, on a dit, ah, Congolais, on a bundé l'individu. Et puis, si on a dit, Moutouana, Azalaga déjà ministre, toi, Azalaga déjà député. Après ça, Bango Moussalate, après ça, Bango Perrier. Mais, a échoué la députation, Batmaga et ça, la marche pour la Yerabi. Ah, la Moumitouna Bissoyo, il y a un citoyen congolais. Est-ce que ça, c'est ça, la Tony? Alors voilà un peu alors peuple congolais, il y a un problème qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Problème où ils allient totalement sérieux. Et je m'aimerais mieux que bateau tobino bozako la nangai bon minimiser en côté. Hier na bandaki déjà ko yebisa bina que nous risquons de vivre une guerre. Ici, Afrique du Sud, non, bah, pas Afrique du Sud, le Rwanda, Burundi, la Tanzanie, la Zambie, l'Angola, le Congo-Brazzaville, Centrafrique, et puis Soudan du Sud, on risque que la guerre s'éclate dans la sous-région. Mais, guerre Rwanda et Kosuka Peka dans la sous-région, il y a des risques que guerre Rwanda et qu'on peut-être qu'on atteindre paix Afrique de l'Est. Les gens qui minimisent les choses, avant-hier, il y a eu un représentant. Il y a CIA, Azaraki na Kenya. Hier, au Tchoukoloba, ce qui est Bozali, dans Twitter, il y a Anthony Blinken, Aoutaï Koyamba, Paul Kagame, je ne sais pas si c'était où, mais Anthony Blinken, Ayambi Paul Kagame, ba sololi, nenge bango sengela ki ba solola. Mais, ce que l'on dit, tweet Anthony Blinken, azolo ba comment résoudre les conflits à l'est de la République démocratique du Congo. Étonnant, non, monsieur Antoine Tshilombo a décidé, na manière na emoko, Yako Bengi Sabatunaye, il part, il signe des contrats de gauche à droite, faisant entrer le Congo Nabisika O et Sengela Kako Tate. Et Yase, Tolobaka Ango Awa, Lelo et Indelie, le monsieur se voit rouler. Et qu'est-ce que monsieur Tshilombo fait? Il demande à tous les Congolais de soutenir Yena Manœuvre Moussousou. Oyo akeyi enango epa ya Sadek. Mena Sadek kuna bisika keyi, apui na ye ya makasi na Sadek, ce n'est pas la Tanzanie, ce n'est pas le Burundi. Apui na ye makasi kuna zali Afrique du Sud. Parce que je veux vous dire, na kata Sadek, ba ebi singa ke, Tanzanie penana na déployé ba militaire te. Atindi te. Kaka Afrique du Sud mutatindi. Et puis ya Burundi pe mutazana ba militaire na Congo. Na force au balobi ya Sadek et na RDC. Y a eu une réunion aujourd'hui entre le président Cyril Ramaphosa et la présidente de la Tanzanie. Na koso wana bango. La présidente de la Tanzanie exhorte l'Afrique du Sud a bien pesé de son poids afin que Félix Antoine Tshilombo accoute à Joseph Kabila pour que ba mona comment ba koki ko sala pour na ba résoudre makamba crise au ekoti na kata RDC. L'Afrique du Sud a déployé ses troupes, non? Et hier ils étaient en réunion. Avant-hier plutôt, bazaki na réunion. À la sortie de leur réunion,
Balobi, on est déjà prêt. On va commencer l'offensive sur le terrain pour que Tosili Samakambo ya ya conflit au Zana Kati en Congo comme d'habitude. Je sais pas ce qui nous avons la bonne mémoire. Est-ce que pour la première fois le militaire sud-africain sont au Congo? Est-ce que vous avez la bonne mémoire? Nasseria Joseph Kabila, ba sud-africain ba ya Congo te? Est-ce que c'est pour la première fois, bah, sud-africain, bah, y'a Congo? C'est pas pour la première fois. Est-ce que, bah, si l'issa ga guerre? Est-ce que, bah, Bounda ga guerre? Or, aujourd'hui, au moment où je vous parle, même la SADC est divisée. Le Congo-Brazzaville regarde les choses de Chilombo, na Eimoro Moussouchou. L'Angola aussi n'a pas déployé ses troupes, na Konti ya SADC. Namakambo yobalingiba bandaya offensive. Celle, l'appui de Félix Tshisekedi sur cette affaire, c'est l'Afrique du Sud. Pourquoi l'Afrique du Sud? Azakobi Mamoutou Atran, c'est des minéraux, des contrats minéraux, oyo Afrique du Sud, Azarango Nakata Congo. Yango Moni, Azako Tchapoua, même si c'est que Bakamoussou est bien temé, Azako Tchapoua pour Yenda Yebi, ba coopération nini, Yamamba minéraux, Azarana Congo Kuna. Oh, il n'y a pas bénéfice. Après les réunions, il y a une bande offensive. Et il y a un bandit offensif. Il y a deux commandos. Ce qui est à M23. Vous allez écouter la vidéo. Il y a Batouana Nenge Baza Koloba. Et on va développer ici. Pour que Batoutou peut avoir une idée. Bisikanini, Tozali peut Bisikanini. Tozali Kokende. Regardez cette vidéo. Boyoka, Batouana, Ndenge Balobi. Boyoka Bam. 16 janvier 2024 à Goma, d'une réunion stratégique entre le commandant de la force terrestre des FRDC et commandant des opérations en province du Nord et du Sud Kivu, le lieutenant-général Falsi Kabwe, et le commandement de la force de la SADC Samir RDC. Selon le lieutenant-général Falsi Kabwe, la force de la SADC est bel et bien présente au Nord Kivu pour opérer aux côtés des FRDC dans les opérations contre les terroristes du M23, appuyé par le Rwanda. Nous avons les Sud-Africains, nous avons les Malawites, nous avons les Tanzaniens, mais ce ne sont pas les seuls, parce que derrière, il y a toute la nébuleuse SADC qui est derrière donc la mission Samir en RDC. La SADC est venue en appui aux forces armées de la République démocratique du Congo. Donc, il travaille avec les forces armées de la République démocratique du Congo. Le commandant force terrestre, le lieutenant-général Falsi Kabwe, précise que la force de la SADC est différente de celle de l'EAC et vient pour des vraies opérations offensives. Et là, sa mission, eh bien, c'est une mission offensive. Elle est dans leur chapitre 6, c'est-à-dire la mission offensive, qui est comparable au chapitre 7 de Nations Unies. Eux, assez, c'est une chose, ils ont fait leur travail à leur façon, et la SADC, c'est une autre chose qui va faire son travail à sa façon. Et la SADC, comme je venais de le dire, la population déplacée devrait faire confiance parce que dans cette mission offensive, une mission offensive qui consiste à récupérer les territoires qui ont été illégalement occupés par l'ennemi. Et une fois ces territoires récupérés, la population pourra rentrer à l'aise dans son terroir. Soulignons que c'est depuis la mi-décembre 2023 que cette force de la SADC a commencé à fouler le sol congolais. Voilà. Je crois, Binomoko Boutchoukomona Yango, la force de la SADC est au Congo. Et Bapé Sibino, pourquoi Baye? Et quelle est la mission? Je vous ai dit ici en titre, Tanazoro Lobakeno. Il y a que l'Afrique du Sud, Boyoki Malawi et puis Boyoki Tanzanie. Mais je viens de vous dire qu'il y a eu une réunion, conférence de presse Salami Lelo entre la Tanzanie, la présidente de la Tanzanie, n'est-ce pas, et Nani Lususu, et le président sud-africain Ramaphosa, Oyo Toyoki et Bimikuna, m'a exhorté. D'abord, Félix Tshisekedi,
Basolana Kabila pour chercher à éteindre le feu ou bien à éteindre Kriso et Zanakata Congo. Donc l'appui de Tshilombo ici, c'est seulement la fuite du site. L'Angola ne veut pas envoyer ses troupes. D'autres pays, Baboy n'a pas continué d'avoir des troupes. Parce que pour l'Angola, Tshilombo n'écoute pas. Azo Yokate, Rama, Joan Lorenzo, Abi Moutouana Yokate, Bokelexa R, Kuna pour rien. Mais la fuite du site se précipite par rapport à ces minéraux. Oh, ils ont un kata Congo, ils ont un bébé sa cop. Ils ont un kembang ou bangu pour un salab aventure. Mais la fuite du sud seule ne va pas se battre là-bas. Oh, tu vas au Tukolo Bawana. Et ça va bâger, bazo salab congolais. Bazo salabiso bâger. Bazo sekabiso, bazo sakanabiso. Il n'y a rien de sérieux là-bas. Il n'y a rien de sérieux. Oh, et aussi sa guerre à Congo. D'ailleurs, la fuite du sud. Et Sengaz en a ma limite na ye, na ma kambozo sala. Parce que ça risque de retourner contre lui. Ça risque de retourner contre lui. Parce que n'aime tazo bimamoutou ya train, ya dossier oye. Bande konangai, voilà le communiqué basali. Mais dans ce communiqué, au bango basali, après cela, toi koyoka, le M23, ba sali communiqué, il paraît que la nuit d'hier, le 16, ba beta ki be biloko moko ya grave na kote ya este ya Congo et biloko wana ba beta ki ebomi le monsieur que vous voyez là monsieur wana kombo na ye ezali nani kombo na ye ezali selon Chim report le chef de renseignement du M23 Castro Élysée Mbera Bangobo a été tué mardi lors d'une frappe de drone contre la base du M23 à Kichanga. À Kichanga. Il figurait également parmi les principaux financiers du mouvement rebelle grâce aux transactions sur l'or dans la région. Il y a un peu de temps pour Nakatia sous-région Pona Koravitae Batouana. Mais il y a un drone qui a fait des essais et il y a un qui neutralisé. Mais côté Moussous, dans le Kotanga, Bango Moro Bata M23, ba démenti l'information. Balobi Keza faux, Eza Lukuta, Moutouna Bangoana Zana nous vivons. Mais il y a des photos, des images, Eza ko surkile, au Balobi qui réellement, ba drone est atteindre. Vrai ou faux, Eza li guerre de communication, ça peut être vrai. Côté au peu Bango Morango, que son Tolobi a koufi, et Robi Mapé faux, alors faut basa la démenti, n'enge basa liwana. Mais plus grave encore, le M23, n'est-ce pas, reconnaît ici que le gouvernement congolais a mené qui peut avoir une véritable raid et à tel point est neutralisé deux commandos na bango. Baza ko reconnaître yango. Et puis bandimi yango que ba commando na bango ba koufi na ba raid o salami à travers ba drone o batindaki. D'ailleurs, dans leur communiqué, le M23 promet au gouvernement congolais yakosala réplique nini bakosala sans merci parce que pour Nabango, le gouvernement de la RDC a violé un pacte basignaki y a cessé les faits. Vont-ils le faire? Ne vont-ils pas le faire? On verra la suite dans le jour Oyo Ezali Koya. S'occuper va refonger la front, s'occuper va refonger la sous-fronte. Nous allons voir ce que cela va nous promettre. Mais na kati ya crise yango, y a maintenant l'événement crucial, yamunene, yamakasi, oyeluti koleka. Cet événement c'est quoi? C'est que depuis avant-hier. Le gouvernement du Congo s'occupe na tentative na ye ya kolanda ba rebelle. Ndenge baza ko kima partout ya ko ka bango bisika bazali. Ils ont peut-être le peuple congolais. Peut-être je ne sais pas moi si par erreur le militaire de l'FARDC ba traverser na ngambu ya Rwanda ba koti Rwanda
ina kukota na bango na Rwanda, Paul Kagame a fusillé militaire moko et deux autres bazali en état d'arrestation. Lelo. Non, c'était passé, je crois que c'était hier. Le communiqué est là. Je peux vous montrer. Communiqué officiel. Je dis bien, communiqué de presse officielle de l'armée rwandaise. Communiqué officiel, il y a armée rwandaise. Yangoyo awa. Je vais vous lire le communiqué officiel, il y a armée rwandaise. État-major général, communiqué de presse. Trois militaires de forces armées de la République démocratique du Congo en patrouille le long de la frontière commune, en patrouille de longue frontière de la commune RDC Rwanda, se sont retrouvés par mes gardes ce mardi hier, 16 janvier 2024, aux environs de 10 heures sur le territoire rwandais. L'un d'eux a été abattu. L'un d'eux, Mokonabango, a été abattu et les deux autres capturés par les forces de défense du Rwanda. Mibale Batikali, Bakangi Bango, Namaboko Barwandi. Il s'agit du soldat 2e classe Asumani Mupenda, du soldat 2e classe Anyasaka Nkoy, Lucien, militaire abattu du 2e. Et du soldat de 2e classe, Kombona Ezali, Bokuli Lote, 2e classe, a été aussi, Yenem Tuabomi, Bakangi, Kombona Ezali, Asumani Mupenda, 2e classe, Moussous Ezali, Anisaka Nkoy, lieutenant, Yepazali, militaire à 2e classe. Cette situation de militaires congolais ou rwandais est garée et appréhendé sur le territoire rwandais ou congolais est fréquente chaque fois. Le mécanisme conjoint de vérification a toujours été mis à la contribution pour leur rapatriement malheureusement. Le force armée de la République démocratique du Congo déplore le fait d'avoir abattu l'un de ses militaires. Ces derniers ont tout simplement franchi la frontière par inadvertance. Alors, néanmoins, les forces de l'armée de la République démocratique du Congo ont saisi le mécanisme conjoint de vérification pour le rapatriement du militaire tué et de capturer. Alors, l'armée congolaise fait à Kinshasa le 16 janvier 2024 et Kenge Bomusa et Fomi Sylvain, général major. Wana na Kinshasa. Ils ont pas si trop. Ah, Félix. Moutalobi makamba escarmouche. Ce qui va meki bako mona. Escarmouche moko ko mekaka ko tenter Congo. Ah, Christian Lusakweno. Na bengi yo trois fois. Oyoki bomoni mama mutu na yo. O sali mama na mission complot contre Moïse Katumbi Lusakweno. Omoni mama mutu na yo. Kasarobaki yone mto yambaki bango boyambi bango na plateau wana. Alobi bozela. Nazo botala munoko langai, moins d'escarmouche. Soke meki bokomona. Lobi utiko leka ba M23 ba koisa ki ba bombe côté à Sake. Et là, il y a la mité. Les lois du Soussou, les Rwandais, les bombes militaires à Congo, les Kanimi Balé, Soukoyo, Moutou Escarmouche à Zahap. Azo préparé, a prêté serment naye, les 20. Mais les bombes militaires, l'armée congolaise, ils ont saisi le mécanisme conjoint de vérification pour que aider les Congolais. 1. Bazong si la bango corps et militaire au Babomi na Rwanda. 2. Ba libérer de capturer Congolais au Bakongi na Rata Rwanda. Kuna bazong sa bango Congo. Chilombo.
Félix, incompétent tout fait. Toloba, toloba, te. Moutouana zo chamboka na risque. Ba Congolais ba zo Rolandae na aventure. Makambo tout boza koyoka fille d'ici dalobia yeko sala. Ba ko sala rien. Biloko ba outiko boaka ba drone wana. Attendez-vous bien. Ba retour nangwe koya. Bokomona encore la situation va encore s'empirer. Par rapport à moi qui m'y a obtenu au Zanango pendant les élections, la situation encore va se compliquer. L'Afrique du Sud n'aura pas maîtrisé cette situation. Akokokate, akokangote. Au Zanabino, à Bokomona, ce qui va se passer au Congo là-bas. Mais moi, ce qui me fait mal ici, comment Mutoyo Azali, garant de la nation, chef de l'État, président de la République, yem ta prometta ki ke, so ki batouana ba meki, je vais faire ça, je vais faire ça. Na ko sala boye, na ko zongi sa boye. Batouana koutou ba sali koleka, oyo ye alobaki. Comment le président de la République, Tisukoyo, azaro réagir te, même militaire na ya koufia. Ba kanyimi balè, na peyo ya benga ki bango ba itile. Le chef de l'État congolais, a lobi rien. A tindi général naye a sa la communiqué. Ye mo ka lobite. Premier ministre naye a lobite. Ministre naye ya défense. Jean-Pierre Bemba pe a lobi le côté. O mboka oyo. Nana za ko dirige yango. Est-ce que le militaire congolais se sent vraiment en sécurité? Est-ce que le militaire congolais se sent vraiment protégé? Le président n'a rien dit. Le premier ministre n'a rien dit. Le ministre des Affaires étrangères n'a rien dit. Le ministre de la Défense n'a rien dit. Ils envoient un général de faire un communiqué pour Basenga Barapat. Vraiment, vraiment, Congo. N'a pas militaire en RDC. Vous vous sentez vraiment en sécurité, protégé par votre gouvernement. Babomine qu'on habite dans la Rwanda. Président Abino Lobaki, escarmouche, Mwandinzo a comme méga comme bouger, Bokomon a qu'on réunir parlement, congrès qu'on sera ma rapidement, n'a qu'on déclarer guerre Ramboka na Bokomona. Ba outi ko boma compatriote Nabino wana, ba bomie. Ba kanyi même minami balé bazakou. Bango bazo senga mécanisme o yetala. Ah! Ah, Congolais, nous avons fi... Donc, on n'a plus de valeur. L'armée congolaise n'a plus de... Ah, Mobutu Pena vivant. Mobutu vivant. Attends, Mouzé Kabila. Mouzé Kabila vivant. Hein? Ah! Rwanda kanga des militaires à Congo. FARDC. Bah, vali na bango pena territoire na bango. Ozo ganga, béton, béton, béton. Il n'y a rien dans la tête de ce monsieur. Pour lui expliquer, mais non, n'y a rien. Il n'a pas un plan, il n'a rien. Il tâtonne tous les jours, le monsieur la tâtonne tous les jours. Il ne sait pas quoi faire. T'as la armée s'il y valait. T'as la armée s'il y a importance. Christian Tiwewa, c'est là qui m'appelle ka awa. Lelo na zoe sabino Christian Tiwaza na résidence surveillé. Me baza ko linga ko loba yangote. Bomoni bakambo bakanyi. Bomoni communiqué yo Christian Tiwaza signé. Qui est le chef d'état-major au Congo? Lelo. Boye biye. Tiwaza na résidence surveillé. Tango fort pa za na résidence surveillé. Toute l'armée est détruite complètement. Ah, Congo! Et vous avez les capitaines, les colonels, le général, bah militaire wana, bazali incapable ya ko renverser situation politique na Congo. Incapable de faire un coup d'état. Je n'ai jamais vu l'armée comme ya RDC. Ils subissent des humiliations en humiliation.
avec Chilombo chef de l'État. Mais baza toujours fidèle, loyal na ye. Baza ka lokola ba civil. Tant toujours ba civil baza ko manifester te, mais bongo armée à faire des oyo. Ba uchu ko bomela bango bandeko, ba kangeli bango bandeko. Qui est le chef de l'État? C'est Chilombo. Au lieu ba sangana ba beta e coup d'état ba zongisa makambu tu ba tika kozwa ba humiliation boy ba vana na bango bazo tala na bango général azo sala communiquer to saisir mécanisme pour y arranger situation oy les fade c'est vraiment mi bali tu boza wana boza incapable ko sala coup d'état na Congo. Ah boko kene na humiliation boy ti wap. Vous avez humilié Mboka Mobimba. Le Congo vraiment est humilié par le Rwanda. Rwanda, pendant ça, vous humiliez Bissot vraiment. Il n'y a pas si trop. Tout à l'heure, Babanda Bitumba. Oh, il y a le Bakia Kobanda. Tout à l'heure, Afrique d'ici, d'Asile, sa guerre. Nengaza, le Bakia Bengisi, Bangoba, aussi sa guerre. Rwanda, le Congo. Bongo, Tokondima. Baventure na eto azosala. Alors, na komi na na point oyo, peuple congolais oyo ezali très important et oyo et na makambo etali élection. Yali boso, je voulais vous dire la suspension, comme je vous ai dit la fois passée, de Gentili Ngobila, Mutalongo Lakiango ezali bel et bien Félix Tshisekedi Yemro. La suspension de Gentili Ngobila vient d'être élevée par le magistrat suprême Fatih Birton. Il déplore la façon de faire des vice-premiers ministres de l'intérieur qui est Peter Kazadi. Ngobila a zongé li poste naye, mouta zongi sa qui est président, comme je vous ai dit, depuis hier. Et en même temps, ba signalenga kake, ake wapi, ake soki Dubaï, ake gopé mamanda mbupo, ba crise, ba tension et le kaki trop. Voilà le pourquoi il s'est là qui a qu'un des états qu'on s'est reposé moi dans mon côté qu'on a à Melata Mayamoto. Pour moto, bache qui est et les agis makasi. Alors maintenant, dans le reste de l'actualité sur la crise au Eza Koleka, surtout entre MLC et Félix Tshisekedi, bah, mécontentement, Eza Koleka continue toujours ébélé. Bah, tout baza qu'on regrettait. Pourquoi ils avaient soutenu Félix Tshisekedi Akoma, président de la RDC. Alors, les gens du MLC, depuis hier, dans l'accès à Kibino, la vidéo, na bango, ndenge bango bandaye ko déplorer Makamoni ni Félix Tshisekedi à Salibango. Aujourd'hui encore, na ko l'accès à Kibino sous quelques vidéos, ya batu ya MLC, ndenge toujours baza ko lela. Acte Oyo, IDPS, Félix, Nadeni Kadima, Basalibango. La colère et Matima Kasi, na MLC. Aza traître, aza ingrat. Ou abandonne depuis Genève, na 2018. Toye baki na biso, nga gout na linga gina nga te bemba zalana ye. Toye bagika ke toko suka boye, mutu wana za la seriete, mutu wana boye. Ide pesona kuna kutu, bangonyo so bazoba na bazoba. Ah, gaye. Olie biloko ya mbua. Voilà. Alors, bobo magintaba, siko ekomi pona wakabola, tura wakabola.